Salut TikTok, j'espère que vous allez bien les gars. Lorsque vous avez tout ce que vous voulez, puisque le monde est comme ça, comme ça. Partagez ce live, les amis. Les gens m'ont signalé, mettez les cœurs en avance, frère. Mais le problème, c'est que Amé Kamé, c'est qui? Il n'est pas dangereux. Il demande, il faut m'avoir peur de moi, Kamé Kamé. Moi, il vous dit la vérité. Non, ce que Nikita, les gens, ils ont signalé. Ah là là, putain. Le live a été signalé. Donc, moi, je suis en train de dire très clairement, c'est qui ça, cette fille qui ose appeler dans mon direct? Putain. Moi, le manque de respect, là, est réservé à d'autres personnes. C'est pas à moi, je n'accepte pas ça. Voilà. Oui, madame. Mais c'est pas toi qui m'insultes sur Facebook, là. Tu viens encore se t'appeler dans mon direct, comment? Mais c'est toi? C'est toi ou c'est la douce quoi là? Toi qui m'insultes? Comment tu peux insulter quelqu'un qui vient dans son live? Ben oui, c'est toi, c'est toi. Et c'est la même personne. C'est la douce ou c'est Chloé la douce là? Tu m'insultes et tu viens dans mes lives. Moi je comprends pas. Si j'insulte. Sur TikTok, il n'y a pas plusieurs noms à. Ok, je t'écoute donc. Je suis en train de. Je t'écoute alors. Tu es en live, je m'ennuie un peu. Ah, ok, Comment tu t'ennuies? Tu n'as pas un homme qui monte Non, sur toi. mon homme est au salon là-bas, il regarde les films, il est sur Netflix, je suis dans la chambre, je Tu as m'ennuie. toi, la douce, là, c'est toi, Chloé, la douce. Qui Mais m'insulte toi, sur Facebook. tu as un nom que moi je ne connais pas. Hein? Tu vas m'attribuer un nom que je ne connais pas. Ah, ok, désolé, alors si c'est pas toi. Parce qu'il y a une fille, là. Parce que moi, je me dis que si tu insultes quelqu'un, ça ne sert à rien de venir dans ces lives. Son Facebook est fait ainsi, TikTok est fait ainsi. Voilà, moi, je suis en train de dire que. C'est pas moi. J'étais donc. Moi, je conclue, hein, parce que j'étais en train de dire que le respect, il est mutuel. Les gens, ils pensent qu'ils ont le droit de vous manquer de respect parce que eux, ils se croient supérieurs à vous, en fait. Quelqu'un peut te manquer de respect s'il pense supérieur. Moi, les gens, ils meurent. Hein. Moi, j'ai vu le corps de ma mère, j'ai compris que l'être humain n'est rien. Voilà. Donc, c'est quand tu vas à la mort, tu vois ta maman, celle qui t'a accouché, elle est Mais morte. Les yeux fermés. Donc, il faut m'arrêter la vos vie, je ne pète-pète là sais pas c'est quoi, rapidement. c'est par rapport. J'ai vu le Ce corps de n'est pas ma mère. Quand par tu vois ta rapport. mère fermer les yeux, tu peux plus venir gonfler devant les gens. J'ai compris que la vie n'est rien. Je vis ma part. Le jour où je meurs, je pars. Donc, vos histoires de croire que vous dépassez les gens là, vous êtes fous. Allez à la morgue voir les gens. D'accord? Diane Tonga, je te bloque de mon live. N'importe quoi. Voilà des sorcières qui viennent gêner les gens. Oui, madame, je vous écoute. Je parle du direct de Flore de ce matin. Je parle du fait que elle m'a parlé n'importe comment. Je lui ai dit que moi, j'exige le respect de mes. Enfin, je demande à être respecté. Mutuellement, Voilà, parce que. le respect est mutuel. Voilà, Personne parce que. n'est Tu supérieur peux à pas te personne. permettre d'être en direct, tu parles aux gens n'importe comment. Moi, tu me respectes. C'est très. Parce que je vais vous dire un truc, vous faites ça parce que vous êtes les noirs. Même un watt, même. Si vous savez la misère qu'il fait au watt. Il n'y a pas un watt qui peut se mettre devant moi. Il me manque le respect que vous faites là. Il n'y a pas un watt, il va rester devant moi. Parce qu'il va me faire ça. Si moi, je t'ai manqué de respect, je vais m'excuser. Je vais me demander pardon. Excuse-moi. Et je vais m'expliquer. Mais tu ne vas pas te permettre de venir infantile. C'est-à-dire tu parles à quelqu'un, on dirait ton gamin. Et les gens, ils ne parlent même pas à leurs enfants. Ils parlent même pas à leurs enfants, Respect mais ils sont prêts de mutuel. venir sur Internet parler aux gens. Voilà mon fils a été ici, là. Vous avez vu mon fils ici, là. Vous pensez que je peux me permettre même de parler à mon fils n'importe comment? Je respecte les gens. Je suis très respectueux des gens.
Mais le Camerounais, c'est quelqu'un qui abuse, en fait. Tu donnes le respect à un Camerounais, il va te pisser dessus. D'accord? Le Camerounais, Oui, mais c'est parce que il aime profiter. j'ai constaté que Flore, elle est du genre, c'est elle qui tient le commandement, c'est elle qui doit décider quand ça s'arrête et quand ça commence. C'est ça que j'ai un peu Ah remarqué ben d'elle. bah, pour moi Sinon, au fond, non. c'est une bonne personne. Elle est très bien, c'est une très bonne, elle est gentille. Je veux vraiment pas. Je peux pas dire le contraire. Je veux pas la salir. C'est une très belle personne, mais son histoire de parler aux gens de pourquoi. Moi non. Adama, vous parlez même parce que vous êtes noir. Si vous me voyez devant les blancs, un blanc me manque le respect. Putain de bordel. Si c'est un blanc En qui m'a effet, moi, manqué le respect. je suis montée parce que je voulais te féliciter pour ton courage que tu as pris pour le parler parce que il n'y a personne des blogueurs qui a dû lui dire des vérités que tu dis aujourd'hui là parce que c'est un courage à féliciter vraiment. Franchement, je te dis bravo parce que le respect est mutuel. Il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Il n'y a que le Personne. souffle de vie. Il n'y a que le souffle Le de jour où ta vie mère est qui décédée, moi, je vais dire un truc aux tient gens. encore. Quand tu perds ta maman qui t'a accouché, va à la morgue, tu vois ta mère. Tu vas comprendre beaucoup. Tu vois ta mère qui t'a accouché, elle a la morgue, elle a fermé les yeux. Mais vous parlez de quoi? Il y a 2 ans, j'étais en consomme avec ma mère. Ma mère qui m'aimait plus que toi, elle a fermé les yeux. Vous croyez qu'elle vient vénérer les gens? Non, mais c'est même ça qui te tient, hein. Ah, elle t'a soutenu, ben oui. Mais Sinon, l'histoire comment de tu veux elle t'a qu'ils soutenu soutiennent? pendant le deuil tout le temps, je dis, mais vous êtes dingue ou quoi? Mais attendez Tout le que temps, c'est ça. je viendrai vous soutenir. Hein? Et la vie, c'est quoi? Si tu veux devenir la serpillière d'un homme de quelqu'un, c'est toi qui acceptes. Il y a des femmes qui n'ont même pas d'argent, mais un homme ne les piétine pas. Tout le temps, c'est Mais je te on a comprends, soutenu hein. le deuil de ma mère. Vous savez. Franchement. Vous savez, la personne qui m'a le plus aidé le deuil de ma mère, vous le connaissez pas. Mon billet a été acheté par un gars aux États-Unis. Il m'a dit, donne-moi le lien, il m'a pris le billet. Vous le connaissez pas. Il m'a pris un billet. Non, mais je te comprends, Educa, mais Tout tu as le trop temps, c'est les cumulé. menaces. On Tu as t'a fait le trop deuil, cumulé. on t'a fait ceci. Mais putain, moi, j'ai fait les deuils toutes les semaines. Je pense que demain encore, je suis dans un deuil. Tout le temps, c'est toujours ça. Non. Compresseur, c'est une mauvaise fille. Donc, ton alliance, Flore, avec Compresseur n'est pas une bonne alliance. Mais pourquoi tu veux toujours tirer sur Compressor? Pourquoi? Je te réponds. Personne n'est mieux sur Facebook, hein? Personne du tout. Tout le monde est hypocrite. Il n'y a pas que Compressor. Là-bas, tout ça, là, ce sont les amitiés par hypocrisie. Chacun tisse la part de ficelle. Ah ben oui, hein. Vous, attends, je sais que tu es derrière Compressor ces derniers temps-ci. Mais vous ne savez pas ce qui se tisse entre eux. Entre les deux, chacun profite de l'autre. Parce que tout être humain sur Terre est utile. Personne n'est inutile. Tout être humain est utile Je sur vais te dire Terre. un truc, la douce. Quand Nico Ketia a commencé à insulter Lolo sur Internet, tu es sur Facebook ou pas? Bah, tu vois sur TikTok, tu vois sur. Quand Nico Non, Ketia a je te commencé à comprends. faire le sale bloc qu'elle faisait là, Elles sont cautionnées, hein. quand les gens lui disaient que arrête ça, qui l'a encouragé? Je disais, Lily de la Tour, s'il te plaît, Lily de la Tour. Parce que je t'ai vu dans le direct de Flore, tu mettais tous les commentaires. C'est toi qui as encouragé. Nico, que tu as fait le genre de blog là. Tu te sens comment aujourd'hui? Salut Alice, l'appel noir. Tu te sens comment aujourd'hui? Parce qu'on avait dit, voilà des jeunes filles, elle a de l'avenir, c'est une femme qui est mariée, qui a son enfant et tout. Tout ce qu'on peut souhaiter à une jeune fille comme ça, c'est d'évoluer dans son mariage, peut-être de gagner de l'argent. Toi, Lisa, toi, tu es venu créer ça, qu'elle soit seulement en train d'attaquer. Lolo, et Lolo, je vais te dire un truc. Si on te respecte aujourd'hui, c'est parce que tu es devenu aussi calme. Hein? C'est parce que tu es devenu aussi calme que les gens, tu gagnes un peu la confiance des gens. J'espère que tu vas maintenir le cap. Ne crois pas qu'on parle de toi comme ça parce que c'est parce que tu es devenu aussi très modéré et c'est mieux. Voilà. Ne pense pas qu'on est là en train de te soutenir forcément parce que tu es mieux. C'est parce que tu as décidé de baisser un peu la garde que tu gagnes en respect. Et pour vous dire que finalement, que lorsque tu respectes vraiment les gens sont obligés de te respecter. Ça, c'est clair. Les gens sont obligés de te respecter quand tu baisses la garde. Parce que crier, Et oui. insulter, tu gagnes pas le respect des gens. Effectivement.
Effectivement. Donc aujourd'hui, moi, je vais te dire, Lolo, si les gens sont en train de bien parler un peu de toi, c'est que tu as su gérer cette période. Eh oui, eh oui. C'est Voilà. parce que le vent est très Et calme en ne ce moment. tombe pas dans le piège de commencer à clasher. Tu gagnes dans l'estime de tout le monde en ce moment. Tu mets tout le monde KO. Chacun te défend. Et parce que quand tu es une bonne personne, même tes adversaires sont en train de te défendre. Tu as vu Flo en train de te défendre sur Nico Kétia. Moi, depuis, je ne t'insulte plus. Parce que tu as baissé la garde. Et c'est toi qui vas gagner dans les histoires-là. Donc, si tu prends encore ta caméra pour commencer à vouloir régler les comptes, ça veut dire que tu as tout gâté. C'est tout ce que je peux te dire ce soir. C'est tout ce que je peux sincèrement te dire. Tu as gagné parce que tu as baissé la garde, tu as voulu apaiser. Tu comprends? Mais si tu veux entrer encore dans, aller dans les directs de Badé comme Amougou allait insulter là-bas, c'est ton problème là-bas. Pour Non, l'instant, mais attends, tu fais non, mais l'unanimité, elle tout le monde est partage. d'accord avec toi. Elle n'insulte pas, mais elle partage ou on clash. Voilà, C'est ça le et c'est une problème. erreur. Et là, tu es en train de partager C'est ou on ça clash. le problème. C'est ça qui va Elle te remettre dans partage les ou on histoires. clash. Ah Voilà. ben oui, hein. Elle est calme, mais elle agit en sous-silence. Elle partage ou on clash. Qui partage constant. Donc, je suis désolée. Sauf que, voilà quoi. Mais bon, j'espère que 2024 va un peu les ouvrir les portes et Parce qu'elle que là, elle est en pourra. train de gagner tout le monde, même ses détracteurs, ses ennemis. Moi, j'ai décidé non. J'ai décidé, ça va. Ça fait longtemps, je ne m'attaque plus à elle et tout ça. Et compression, ça part de quoi même, les attaques de compression et moi? Moi, c'est les gens terribles. C'est les gens avec qui tu parles IB, vous êtes tranquille. Et tu te rends compte, en gros, en public, que c'est une autre chose. Il dit, ben non. Ça part de là. Même Flo, ce qu'elle a fait aujourd'hui, moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Hier, je me suis permis, bonne année à toi et tout ça. Elle me dit oui, mon fils et tout. Mais comment tu fais ça hier? Aujourd'hui, tu viens me manquer de respect en public. Comment tu peux Je te pense que tu comporter comme devrais. ça? Je pense que parfois, quand vous êtes devant votre téléphone, il y a parfois quelque chose, un commentaire qui change souvent la donne de vos dits, quoi. Moi, je me dis, hein. Et moi, c'est ça que je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. Que je sois bien avec toi. Moi, voilà la pantée du zoo. Tatiana Mimban, c'est les filles avec qui j'avais des problèmes. J'ai dit, quand j'ai dit ça y est, et c'était comme ça, ce n'est jamais revenu autrement. On ne va pas rigoler avec quelqu'un en IB. On vient en public, on veut l'infantiliser. J'ai dit, Flore, jamais. Tu as fait ce que Compression m'a fait. Compression, je parlais, je causais très bien avec elle, j'étais bien avec elle. Mais qu'est-ce qui la pousse à venir en public me manquer de respect? Il dit jamais. Mais toi, tu appelles dans le direct avec le bruit là, c'est quoi ça? Oh là là. En tout cas, DKM, depuis un certain temps, voilà quoi, ton bloc a changé, tu es dans la dénonciation, tu es vraiment à fond sur Compressor, tu es à fond sur Amec Amer et tout la clique. Donc voilà, personne ne doit t'enlever ce droit. Tu dis ce que tu ressens et c'est bien, c'est ça une personne qui est vraie. Tu dis ton mécontentement et après tu passes à autre chose. Après, ça ne va pas quand même être comme un acharnement. Voilà quoi. Mais elle doit sentir ça passer sur elle. C'est bien quand une personne a te dit, il met sa caméra et te dit, prochainement, il y aura le respect qui va s'installer. C'est bien comme ça. Continue sur cette lancée, en effet. Merci. Bah, c'est clair que maintenant, moi, je dénonce tous vos petits manigances là, pour qu'il y ait réellement les vraies amitiés. Parce que quand il dénonçait l'amitié de Compresseur et Flore, parce qu'il savait que c'est une fausse amitié. Et là, parce que j'ai demandé à Compresseur, qu'est-ce que tu as offert à Flore? Hein? J'ai été dans la véritable dénonciation et qui a chamboulé les choses. D'accord? Et là, je suis venu dire à Flore que moi, tes trucs de tu appelles les gens, tu les manques de respect. Là, moi, jamais. Je reste encore très Mais courtois. du Très camé, courtois moi, ce du soir. camé, je Voilà, je comprends ne suis pas dans pas. les Je bêtises là, je comprends ne suis pas pas. dans les conneries là. Moi, il faut, je souffre trop dans ma vie avec mes enfants, avec le travail. Quand je viens sur Internet, tu commences à me parler n'importe comment. Moi, il y aura la fureur sur toi. Hein. Moi, je peux vous dire, il y aura la fureur. Ahmed Kamel au sol, c'est moi qui mets. Ahmed Kamel aujourd'hui, il n'est rien. Il peut avoir 800 personnes qui le regardent. Parce que je vous ai dit, l'audience est tribalisée au Cameroun.
Il y a des blogueurs, c'est parce qu'il y a des gens du village qui les regardent. Je ne suis pas dans ce délire. Je suis dans la vérité. Vous avez détruit les vies des gens sur Internet. Vous avez fait tellement de mal. On ressort de là en présentant ses excuses à tout le monde. On ne veut pas laisser les gens. C'est-à-dire, vous voulez sortir la tête de l'eau. Moi, je n'ai rien fait. Ce sont les autres. On ne me la fait pas. Voilà, quand tu veux sortir du sale, tu ne mets pas les gens dans la saleté, critiquer les gens. Flore, tu étais dans ce délire. Les petites filles là, tu les as encouragées à insulter les gens. Maintenant, tu veux sortir parce que tu veux faire autre chose. Pour ton intérêt. Tu ne vas pas les salir. Et elles, elles veulent desserrer, c'est leur problème. Moi, je dis non. Voilà. Quand tu es dans ta séance de sortie de l'eau là, tu me laisses. Nous, on est dans le clash. On n'est pas, on ne sort pas. Je suis pas, je ne sors pas. Parce que moi, tu m'insultes. Je fais comme un bazar, il vient t'insulter. Mais Voilà. du coup, excuse-moi un peu, hein. L'amitié de Compressor et Flore, c'est toujours que c'est Flore qui donne ton. Tu sais, on a cette impression que c'est toujours Flore qui Non, mais donne, mais moi j'ai non. dénoncé Compressor ça. est venue avec des C'est une contrats. amitié. Elle est venue avec des contrats, elle a donné à Flore. Quand on les a invités en Allemagne, c'était le contrat de Flore, de Compressor. Quand on les a invités faire la séance de paix où elles ont fait des photos, c'était le contrat de Compressor. Il y a des choses qui se passent entre eux qui elles ne sont pas obligées de venir dire. Il y a des contrats où Compressor ne peut pas aller, elle passe ça à Flore. Pourquoi c'est toujours que c'est Compressor qui est mal vu, c'est elle qui est la cause de je sais quoi dire, hein? Tu sais, moi, Viens t'éduquer, viens t'éduquer. je vais dire quelque chose. Hein. Ça fait même finalement du bien de discuter avec toi. C'est que les deux se sont attachés les services de Nico Kessia et de la Lionne pour régler leurs comptes. Parce que les teams, si il faut Nico Kessia pour régler les comptes de Compressor, ça veut dire que la TKC est finie. Hein? Ça veut dire que la TKC n'existe pas si c'est Nico Kessia qui va régler les comptes de Nicole. Puisque les comptes Ah de... non. Parce que finalement, Compressor, c'est quoi? Elle a besoin des gens En effet, hein, les deux sont venus, la Lionne et Nicole sont venus mouiller le maillot. Raison pour laquelle les autres, certains abeilles et les TKC étaient en retrait. Et les voyaient parce qu'elles voulaient la lumière, elles voulaient être vues. Tu vois un peu. Mais Ce n'est pas si comme si tu. moi je peux féliciter Flore. Pourquoi? Parce que Flore, quand même, elle a quand même pris la peine de dire à Nico Kétia depuis que je n'aime pas ton blog, là, arrête ça. Ça, elle a dit à Nico Kétia que je ne veux pas depuis un certain nombre de temps. Tu comprends? Elle était, et même à la Lyon, elle avait dit que moi, il n'aime pas. Là, je peux lui dire bah, bravo parce qu'elle avait eu affaire à dire à ses filles. Parce que cette fille faisait quoi? Elle faisait du bashing de Lolo et tout ça, tu vois. C'est des filles tous les matins. Le aide-moi à détester, tu vois. Flo avait dit dès le départ que toi. Et Nico Kétia, moi, j'attends ton direct. Hein. Parce qu'il veut voir si tu portes tes couilles ou pas. Tu vois un peu, non. On attend tes directs. Parce que là où tu l'as tué, sur l'affaire Messan, d'abord, tu ne parles pas. Sur beaucoup d'affaires, tu ne parles pas. Et on va t'entendre. Il hein? Faut pas être. Quand tu es un blogueur, là, tu dois dire tes vérités à qui de droit? Maintenant, la personne qui veut te respecter, il te respecte. Celui qui veut te détester, c'est son problème. Moi, sincèrement, si je suis désolée, c'est pas Flore qui doit décider si la paix doit régner dans tous les teams ou pas. Chacun fait ce qu'il veut sur Facebook. Quand chacun est venu allumer la caméra pour dire je clash telle personne, il va se reposer à son moment opportun. C'est pas Non qui donne mais, la cadence. non mais, Flo Et ne, j'ai dit j'apprécie ta sortie. mais Flo ne dit pas à tout le monde aussi. Elle J'apprécie ta s'adresse, sortie aujourd'hui. Flo s'adresse à ses Tinder. Tu vois, elle s'adresse à ses Tinder. Mais moi, je lui ai dit, moi, je suis pas son Tinder, en fait. Je suis quelqu'un, j'étais supposé être quelqu'un très proche d'elle. Parce que, voilà, on a été proches. Mais elle ne me traite pas comme ça. Elle peut me dire, Flo, avec Compressor, je pense qu'elle a eu à me dire, du cas, arrête ça, tu vois. Flo peut me dire, arrête un clash. Vu nos rapports. Mais la manière dont elle s'adressait à moi, je me dis, ça ne m'arrange pas. Pas du tout. Je n'accepte pas ça. Voilà, je suis très carré. Je ne mange pas chez quelqu'un, en fait. Voilà, donc, elle peut s'adresser à Nico Kétia avec condescendance. Et à l'autre, là, il n'y a pas de problème. Mais moi,
C'est pas à moi, on s'adresse pas à moi comme ça. Dans toute la vie, il y Attends, a garde ta personne qui tête me parle comme haute. ça là. Garde ta tête haute. Ne baisse plus jamais la cadence. Reste tel que tu es. Celui qui te fait tic, tu fais tac. Ah Le non. respect va régner. Le Non, respect doit non, régner. Parce que le tu ne respect est seras la plus réalité parce personne. que même l'amitié des fleurs est compression, c'est une hypocrisie totale. Compression en train Ben de oui. se cacher derrière les fleurs pour faire du mal aux gens. Ce que compression amère sont en train de faire, c'est qu'elles sont en train de faire à Dolomulema. Dolomulema, c'est pas, comment je vais dire, c'est pas forcément une proche de moi. Mais ce qu'elles sont en train de faire là, Fleur ne va pas condamner ça, mais c'est quelque chose de grave. Tu comprends? C'est quelque chose de très grave de faire ça à quelqu'un. Le gars, il a offert le téléphone Tu et penses que maintenant. c'est Dukamé, c'est Amin Kamé qui est en train de mettre le feu derrière ça, en Mais effet. Ahmed Kamé Tu est en train de vois? régler. Ils sont en train de scisser Dolomulema. Dolomulema, toi, franchement, je pense que moi, je vais te clasher. Parce que Ahmed Kamé est en train de te scisser et tu replies. Si toi, tu aimes compression, c'est une fille que tu veux une top. Dis que tu veux une top de compression. Il faut arrêter vos conneries. Parce que toi, on ne peut pas venir te scisser avec les histoires que ton mari a donné le téléphone à compression. Tu fermes ta gueule. Tu nous dis que j'attends quand ma pépé va parler. Tu vas parler. Tu nous racontes quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter là? Soit ton mec, il va porter plainte. Pour chantage, soit tu sors, tu dis ce que tu as à dire. D'accord? Il faut nous foutre le camp avec ce que tu es en train de nous faire là. Parce que les gars, ils sont en train de te faire du chantage. J'ai vu Amin Kamé aujourd'hui allumer le téléphone pour raconter ça, mais putain. Mais tu n'es pas la police en train de monter les vidéos d'Amin Kamé en train de te faire du chantage? Hein? Tu ne vas pas la police lui déposer une putain de plainte, tu attends quoi? Quelqu'un, là, il te fait le chantage, il te fait un chantage, qu'il a les nuits de ton mari, tu dors. Bientôt, le nom de ton mari me va sortir dans ma bouche. Mais c'est un truc incroyable. Va lui Non, déposer une plainte. faut te contrôler, faut te Va contrôler, déposer, faut te va, tu contrôler. déposes une plainte. Et moi, je dis justement, Flore, elle ne parlera pas. Hein? Faut te contrôler parce que tu risques, voilà. Facebook, faut pas mettre les organes du gamin, Ah, c'est. les organes. Moi, je parle là parce que je suis connecté. Mais après, moi, je vous dis, c'est un jeu d'hypocrite. Sincèrement, Moi, personne n'est prêt là-bas. c'est un Il jeu faut d'hypocrite, tout ça. si la ficelle ou ça va de son côté, personne n'est prêt. Tu vois, l'ennemi de l'autre parle avec l'autre et l'autre cautionne, ils sont des amis. Personne n'est vrai. Il faut arrêter ça. Sincèrement, tu vois pas un jeu là. Je suis ennemi avec l'autre. Je ne vais jamais parler avec l'autre à vie. Mais l'autre fait la paix avec l'autre. Attends, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autant mieux, tous font dans l'hypocrisie et fonctionnent avec. De toute Personne n'est manière, vrai. Je suis désolée. c'est un jeu, il y a trop de manipulation, il y a pas mal de choses. Moi, je préfère vous dire ça, ce qui se passe sur la toile, les alliances machiavéliques, les alliances de Ah sorcellerie, oui, un tout machiavélique. ça, les alliances machiavéliques qui se font, et les alliances. Parce que ce n'est pas les alliances parce que les gens sont les amis. Hein. C'est les alliances parce que ça ne sert à rien qu'on se dénonce. Et moi, je vous dis très clairement, j'espère que entre tous ces gens, il n'y a pas eu les trucs bizarres. Parce que moi, je ne soutiens pas un faux ami. Hein. Je ne soutiens pas les fausses personnes. Voilà. Je ne soutiens pas Personne n'est les. vrai. Vous n'êtes pas Moi, mon vrai. pays, ma copine, Compression a personne décidé de faire n'est du vrai. mal aux gens et elle se cache derrière Flore pour faire du mal aux gens. Parce que c'est que Flore à les abeilles qui ne vont pas être raisonnables, qui vont soutenir. Ça, c'est votre problème. Moi, je vous ai dit, même s'il y a 10 personnes qui me regardent, ils m'en battent les couilles. D'accord? Même s'il y a 5 personnes qui me regardent, ils m'en battent les couilles. Que d'être avec des gens, une grande catégorie de personnes dans mes lives, et que ce soit des fausses personnes. Moi, je te dis précis, continue sur cette lancée. Ne baisse plus jamais la face. Continue ainsi. Ça ne va pas, tu tapes fort. Que ça soit n'importe qui, tu tapes fort. Oui. Parce que quand tu caresses un peu là-haut, là, tu as la visibilité. Mais quand tu touches un peu là, donc, tu touches où ça fait mal. Quand tu es le plus méchant à l'heure, là, accepte.
En ce moment-là, tu prends la casquette du tout plus méchant, mais tu dis les choses qu'il faut. Mais Et Flo, il peut te dire dire un aux truc. personnes. Flo, il peut te dire un truc. Hein. Voilà, tu peux venir devant les gens, tu fais tout ce que tu veux, mais moi, mes décryptages t'aident à mort. Parce que compréhension qui est avec toi, là, c'est moi qui ai décrypté qui est là auprès de toi, toute la fausse personne qui est là auprès de toi. Il sait que tu profites de ça. Faut arrêter, je ne suis pas, je ne suis pas. Moi, vous êtes bloqué. Hein. Moi, je tiens à vous le dire. Voilà, tous les blogueurs bizarres, là, je vous bloque. Je sais que mes analyses vont vous manquer. Parce que je suis très fort dans toutes les techniques de manipulation. À mettre la main au sol, c'est moi, je le mets au sol. C'est un menteur. C'est un manipulateur. Voilà. Il est au sol, c'est moi, je le mets à terre. Parce que si moi, je le mettais pas à terre, vous comprenez un peu. Hein? Mais dès qu'il y a eu Ouais. aussi avec ton affaire de la caméra, demain on va encore vous voir ça. Non, mais c'est parce que tu n'as pas écouté un live qu'on a fait. Moi, je suis en train de dire un truc. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Là, je parle de Mafo. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un direct dans lequel elle m'a méprisé, en fait. Et c'est pas, elle fait ça tout le temps. Bon, je lui ai dit qu'elle peut faire ça avec tout le monde, mais pas avec moi. Voilà. Elle peut mépriser qui elle veut, mais moi, il faudrait qu'elle me respecte. Je tiens à ça. Parce que moi, je la respecte. Il y a eu beaucoup de dossiers dans lesquels elle est intervenue et que moi, finalement, je n'ai pas voulu la contredire. D'accord? Voilà. Il y a beaucoup de dossiers dans lesquels elle intervient. Ce n'est pas forcément ça, tu vois. Je peux dire des choses, mais je ne dis pas. Mais à côté, elle fait pas mal de choses que j'aime. C'est une femme que j'admire. Je ne vais pas venir, je veux lui reprocher ce que je lui reproche, mais à côté, j'ai de l'admiration pour elle. Mais moi, je dis, mais elle me respecte. C'est une obligation. Il faut me respecter. Parce que moi, je sais respecter les gens. Compresseur, j'assure sur elle, parce que j'ai vu que chaque fois qu'on me clash, elle est dans le direct, elle prend plaisir. J'ai dit, OK, d'accord. Ah oui, c'est ce côté-là qui n'est pas Tu rigoles avec moi en respecté. privé, Parce que tu viens pleurer c'est en son privé, ami. tu viens C'est pleurer. son ami. Attends, je Ouais. t'explique. Tu viens, tu pleures en privé, oh, du camé, j'ai ça, je ne vais pas vous raconter, vous épargner. Tu pleures en privé, du camé, tu m'appelles, tout le temps s'appelle. Et en public, quand on est en train de me laver, tu es là-bas, tu mets les cœurs, tu es content, tu partages, Tu tu es as pas les juste cœurs. acquis. Tu as Elle dit pas que, les cœurs. OK, Tu as c'est pas. là où, c'est ça qui m'a fait sortir de compression. Mais c'est une personne qui était mon amie. Quand j'étais, je suis avec une femme, il appelle compression, elle voit un gars. C'est quelqu'un qui me connaissait un peu plus. Mais il dit, mais pourquoi tu fais ça en public? Tu veux venir me mépriser? Non. Flo, pareil. Pourquoi je suis dit à Flo de me respecter? Hier, on discutait. On a discuté la semaine dernière. On se parle. On n'a pas de problème. On regarde nos trucs. Moi, je regarde ses statuts, je les félicite et tout, j'ai félicité la matière. Pourquoi tu fais une sortie et tu viens me traiter de je ne sais quoi? Tu fais ça tout le temps. Pourtant, je dis même pas aux gens qu'on est en contact. Ça ne marche pas. Non, faut pas me la Et faire. je te dis que tous sont faux, tous ces gens-là, c'est Et ça. Amin Kamer, tu viens, tu veux valoriser Amin Kamer? On va me dire jaloux, on peut être jaloux d'Amin. Un gars comme moi peut être jaloux d'Amin Kamer, il a quoi? Quelqu'un dort dans un 15 mètres carrés d'une femme. Vous allez me comparer à ça. En effet, c'est ce qu'on reproche à Compresso tout le temps, que tu ne peux pas être ami avec quelqu'un et tu vas dans un direct où on insulte la personne, tu envoies les pouces et les cœurs. C'est ça qui le condamne tout le temps. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Parce que je sais que tu as été blessé plusieurs fois par ce comportement d'elle dans le direct de l'abbé Samé. Mais tu as été toujours blessé et tu l'as toujours fait Elle félicite savoir. l'abbé Samé qui m'insulte. Attends, elle félicite toutes les personnes qui m'insultent. Mais moi, j'ai été très pacifique. Si ça se reproduit encore, là, c'est tombé. Attends un peu. Mouna Tchob, là, tu veux dire quoi, toi? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir mes camarades, bonsoir. Je suis montée dans le direct parce que je ne Oh, suis pas tu m'appelles inscrite, en même non. temps. Ah, Du désolé, camé, pardon. du camé. Oh, désolé, désolé, Non, désolé, tu peux mon me pauvre du filer. Si ça camé, ne du travaille camé. pas, Tu sais que les. il tourne à Non, l'étoile. excuse-moi, Oh. les deux noms sont un petit peu mélangeants parfois. Je suis désolée, Mais pourtant je sais bien la il différence. y a un qui doit avoir les poils. Moi, il ne doit pas avoir les poils. Il doit avoir une fille. C'est rare. Excuse-moi, je suis vraiment désolée, j'ai juste mélangé. Fait que moi, je suis montée dans le direct à cause que je trouve que la dame là qui est au téléphone, excuse-moi ma chérie, on ne se connaît pas, je n'ai pas de problème avec toi, mais je trouve que tu es plus en train de verser du venin dans ce que Ducamère est en train de dire.
Ça se peut que tu sois TKC ou sympathisant de Compressor, mais je trouve que c'est un peu poussé ta manière d'intervenir. Je suis d'accord que Ducamer promet son live, il a des malentendus avec sa sœur. Flore demeure et reste sa sœur. Il peut sortir de ses gonds, ils vont s'arranger plus tard. Mais c'est un peu malsain qu'une femme entre dans le direct, mais elle est plutôt en train de verser du venin. Ça ne se fait pas. Je trouve que c'est un peu très malsain de ta part. Donc, moi, j'ai écrit un commentaire tantôt. Si tu as des choses à dire à Flore, si tu as du venin à verser à Flore, fais un direct. Fais ton direct comme Ducamer, tu t'assumes ou tu t'assumes en faux profil aussi. Ça se fait, les faux profils font des directs. Et puis là, tu dis tout ce que tu as dit à Flore. Tu n'as pas besoin de venir dans le direct d'une autre personne pour attiser le feu, ma soeur. Ça ne se fait pas. C'est malsain. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, tu peux m'insulter ou tu peux faire ce que tu veux. C'était juste mon point de vue. Donc, c'est ça. Ma chérie, je ne dis pas sur Flore. J'aime bien Flore, j'aime bien Compressor, j'aime bien tous ces gens-là. J'ai dit, je dis sur tout le monde. Tous sont hypocrites. Personne n'est vrai entre eux. C'est ça le mot qui choque. Personne n'est vrai entre eux. Ça se voit sous nos yeux. Arrêtons de faire semblant. Sincèrement. Moi, Arrêtons. j'ai dit ce que On j'avais à essaie. dire. C'était mon ressenti depuis que tu as pris, depuis que tu es entré dans le direct, tu parles au téléphone. C'était vraiment mon ressenti. Puis je pouvais pas passer sans venir te le dire que essaie un peu de modérer parce que la façon que tu parles, à toutes les fois où on a prononcé peut-être le mot de, je veux pas entrer dans la polémique des compresseurs. À chaque fois, tu essayais de couvrir et tout, mais quand il s'agit de Flore, c'est à ce moment que tu sors ton venin et tout. Lance ton direct et puis tu essayes de verser tout ton venin à Flore. Tu n'as pas besoin d'entrer dans le direct du frère de Mafo pour faire ce que tu as à faire. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ducamé, excuse-moi tantôt d'avoir mélangé ton nom avec Pape Poulet. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Bye. Et que chacun a son entendement, mais ça me gagne quoi. Je monte son. Après, chacun il comprend les choses à sa manière, c'est un truc de malade, les gars. C'est qu'on dit. De toute manière, Moi, ces gens, ils veulent toujours dicter les gens. Tu m'as fait comprendre que j'ai fait une Les bonne. gens, ils disent que personne, j'avais dit Tu m'as fait. Je vais. Tu n'as pas vu. Tu m'as fait comprendre que j'ai fait une bonne sortie. Je ne trouve pas que ce soit méchant. Tu m'as dit, voilà, du calme. Et la sortie est vraie. Parce que moi, je vous dis, le respect, ce n'est pas la peur, les gars. Respecter quelqu'un n'est pas avoir peur C'est de clair. quelqu'un. Voilà. Je suis pas. Vous avez toujours dit que je ne suis pas un tida. Peu importe qui tu es, je suis très respectueux, les gars. Je suis très respectueux. Voilà. Flore a ce truc-là, qu'elle fait des sorties sur les gens avec du mépris. Et moi, je lui dis que moi, il ne faut pas. Les autres peuvent accepter, ils ne vont pas faire les sorties. Hein. Voilà. Moi, ne croyez pas que c'est. Il ne peut pas clasher Flore. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une grande sœur. Je ne peux pas. Parce que moi, je vous dis la vérité. Je suis sale dans les clashs. Hein. Je ne vous mens pas. Je suis sale. Je ne crois pas qu'elle peut me gagner dans un clash. Bah, tu peux dire ce que tu veux. Je m'en bats d'avoir les couilles. Mais c'est que j'ai été à l'école et j'ai un vocabulaire pour les clashs. Vous comprenez? Hein? Et même j'ai l'art même de mépriser quelqu'un, même en public. Donc moi, quand je te respecte, là, il faut me respecter, c'est très obligatoire. Et moi, je ne suis pas un misérable, en fait, je suis un mec qui travaille. Les bouffons comme un mec, quand même, il peut se calmer parce qu'il sait que Flore a fait les litchis aux abeilles, les abeilles m'ont dit les dos. Moi, j'ai demandé le ciment. Les gens sont en train de me donner, ce n'est pas les abeilles qui me donnent ça. J'ai des abonnés, j'ai des gens qui aiment ma manière de faire parce que nous, on est, comment je vais dire, hein? Nous, on est vrais en fait. Les Ducamériens sont vrais. Nous, on n'est pas dans les conneries, on n'est pas dans l'hypocrisie en fait. Ceux qui sont des Ducamères sont vrais. Les Ducamériens et Ducamères, c'est des gens vrais, vrais. La toile, c'est une sorte de concubinage. Voilà. Flore est obligé d'être avec Compressor, même si Compressor fait n'importe quoi, les alliances machiavéliques. Les fais pas. J'ai à te dire, j'allume ma caméra, sans langue de bois, je te dis ce que je pense. Si tu écoutes, tu écoutes.
Si tu n'écoutes pas et que tu décides de me manquer le respect, tu auras la suite. Et on est assez outillé pour. Et moi, je vous le dis, s'il y a quelqu'un, à femme, arrête de créer les profils pour les insulter des commentaires en direct. Arrête ça. Il est saisonnier. Tu es aux États-Unis, ta vie, on ne connaît même pas ce que tu fais. Ne viens pas régler tes comptes dans mes directs avec les faux profils. Un idiot. Quelqu'un aux États-Unis, il a 20 faux profils. Il est saisonnier, ça fait quoi? Tu vas venir insulter quelqu'un, il est saisonnier, c'est toi qui le nourris. Quelqu'un, tu es aux États-Unis, tu n'as même pas les papiers, tu veux lui demander qu'il est français. Ta gueule, connard. Je te vois encore tes profils, il demande. Venez encore parler de lui, s'il te bloque, saleté. Il est un idiot. Mets ta tête en voie. Tu veux venir régler les comptes de Déco dans mon direct, pourquoi? Quand j'ai à le dire, je veux lui dire. Ce qui est sûr, ne sert même à rien de lui faire les compliments. C'est là qu'il va couper, aller m'insulter avec des mains. Lui-même, avant, il a tas sur toi. Il entend sur moi que tu es qui? Si tu es un homme, mets ta tête ici. Idiot, tu restes dans le noir, tu me parles. Big up Marc Anthony. Mais il y a vu une capture flow, aller le féliciter. On va tout voir sur Facebook. Que je partage les directs, on l'insulte. Elle est partie commenter chez la femme que bravo pour ce que tu fais. Donc vous croyez que les gens sont vos tina ici. Mais vous êtes mis sur un niveau, vous pensez que les autres sont en bas en fait. Moi j'ai déjà eu les 80 000 euros. Hein. Je suis quelqu'un qui a eu les 100 000 balles. Hein. L'argent qu'il y a eu dans mes mains là. Parce que pour vous, le respect, c'est l'argent. J'ai eu ça. Ma maison là, que je construis au pays, c'est au moins, on est à plus de 27 millions. Vous choisissez les qui vous allez respecter ici, là, mon frère. Et Wanda, sur vous. Mais vous êtes malade. Et quand on est idiot, il est aux États-Unis. Ta vie à quel niveau? Hein? De quand on le voit, il n'est pas travaillé. Toi, t'es qui, toi? Connard, viens encore mettre ça ici, là. Il lâche comme ça. C'est ce que tu vas venir régler tes comptes avec lui. Il est saisonnier. Il est saisonnier. Tu nourris ses enfants. Idiot comme ça, là. Et quand on a quelqu'un qui veut exister, tu as eu la femme dans ta vie. Tu restes en faux profil, mais tu aimes la Starmania. Connard. Nique ta race, mon frère. Et comment ça? Tu veux dire, ne règle pas tes comptes ici, là. Au lieu, tu supportes Flo, n'est-ce pas? Que la mafou, tu dis que la mafou. Et comment des tintins comme ça, là? Il a vu faire un direct, il dit que la mafou. N'est plus le port. Comment des bouffons comme ça, des poubelles. Tu vas venir respecter Flo, toi, la femme, qui a passé le temps à lyncher Flo ici, à l'insulter. Ce n'est plus une goye. Hein? Après, tu vas les entendre. Il va citer Dieu. Tu as passé le temps à insulter une femme ici, là. En tout cas, sur Facebook, il y a trop de haine. Il y a trop de haine. Trop de haine. Voilà un gars, il regarde tout le temps. Je l'ai vu. Il regarde comme il tape la talakou parce qu'il veut les abonnés. Comme il veut les abonnés, il veut dire que la mafou, c'est elle qui va tomber dans vos pieds. Elle tombe dans le pied d'Amé Kamé et toi. C'est elle qui va tomber dans vos pièges, là. Comme tu veux les abonnés pour aller bagarrer avec des commandes. Dans moi, il y a un bout comme ça, là. Vous passez toujours sur les pages, les gens pour vous faire connaître. Après, pour venir les combattre. Tu oublies le combattre. Va créer ton concept. Tu crées ton concept avec les abonnés, les gens. Tu dis que tu veux tes abonnés. Tatiana Mi Bank, c'est ton abonné. Hein? Tu peux avoir un abonné, un haineux comme ça là. Viens mettre ton côté. Viens encore, tu chauffes ici sur ma page. Ma page, ce n'est pas la page du aide-moi à détester. Je voulais parler à Flore, je lui ai parlé. Et j'ai respecté Flore. Je l'ai respecté. Mais je lui ai dit, sa séance de manquer de respect là, il n'y a pas mon nom dedans. C'est vraiment lui est venu, Max, c'est lui. C'est lui. Je sais que c'est lui qui crée ça. Il vient demander quel autre est saisonnier. Toi, tu es quoi? Tu es qui? Montre qui tu es. Un cachotier, une sale chose comme toi.
tape. Je pisse sur ta tête, mon ami. Tu as compris, non? Oh, Flo, Flo, Flo. Il vient respecter Flo aujourd'hui. C'est elle qui elle mange les atalakou. Moi, tu peux me faire tes atalakou là et pisse sur toi avec ça. Des mauvais gens. Quelqu'un qui n'a aucun compte et tu es en train d'insulter les gens. Je mène mon propre combat contre ce morgue. Quand moi, un salopard, quand tu créais ta visibilité sur sa page, tous ses abonnés, ce sont eux qui sont sur ta page. Connard. J'aime pas les tricheurs, en fait. Moi, j'aime pas les tricheurs comme ça, là. Enfin, comment je vais dire? Je ne suis pas dans l'association de haine, là, en fait. C'est pas parce que je suis en train de je clash des commandements que tu vas venir régler tes comptes avec lui ici, là. Il est saisonnier. Tu viens raconter tes bobas, là, ici, là. T'es fou, toi. C'est sur vos pages, vous, là, il n'y a pas le aide-moi à détester Petit, sur ma page. petit, Je calme-toi, gère mes problèmes seul. Tu ne viens pas détester quelqu'un ici. petit, calme-toi. Tu vas pas avoir la Tu vessie en France parce que tu vas voir tous les soirs, c'est déjà trop ça. Oh, petit. Ouais, petit, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Mais Edi, comment tout le monde m'envoie les sacs de ciment sauf toi? Non, je vais envoyer. Ne t'inquiète pas. Waouh, tu n'as pas vu la Attends, maison je qui dis. pousse là. Oui. Non, tu sais, vous avez les trucs avec vos histoires. Moi, j'ai trop peur des histoires de préparer les autres là. En tout cas, Non, il n'y a attends, rien sur tout le monde. je vais t'appeler dans ton téléphone personnel. Le WhatsApp que j'ai là, je vais t'appeler là-bas. Tu comprends, non? Ok. Mais je vais te dire, je vais seulement te dire que tu défends bien mes sangs, mais mes sangs lui-même n'est pas On est même pas sûr. sur mes sangs. Pourquoi tu veux ramener mes sangs? Moi, j'étais Non, sur mais la parce que. saleté de la femme en femme là. Waouh, laisse mes Ouais, sangs. non, à femme, c'est pas quelqu'un que tu dois. Tu ne dois plus parler à femme. Tu as déjà dépassé le niveau là. Non, il est venu dans mon direct. Comme il a vu des corps, il est venu faire sa fête ici. Que moi, je n'accepte pas le aide-moi à détester. Voilà. Si j'ai le problème avec des corps, tu Quand le même, veux. je voulais seulement te dire bonsoir. Hein. Moi, C'est très je te gentil. suis. Moi, il Je n'accepte pas le t'appelle. aide-moi à détester. Je t'appelle. Tu comprends, non? Nassim, ok. Je t'appelle, descends-moi. Je voulais te dire bonsoir. Ok, c'est très gentil ta part. Merci beaucoup. Les gars sont fous, mon frère. Moi, ils n'acceptent pas. Tu es aux États-Unis, ta vie est où? Monte ta vie. Un idiot, il passe le temps à critiquer la vie des gens. Porte tes couilles et ton caleçon, tu mets ta tête, on voit. Viens mettre ta tête. Au lit, tu sais comment il fait? Il vient dire que ma fou. Il vient dire que la reine, mais eux, Flo, franchement, méfie-toi des courtisans, les gens qui sont à côté de toi. Ils viennent avec ton nom. Il a entendu dire que oui, la ma fou, la ma fou. Une femme que le salopard a passé le temps à insulter. Il a passé le temps à insulter. Comme maintenant, il veut profiter. Il pense que moi, je vais clasher. Flo, moi, il la clash pas. Non. Il est tout simplement dit que me respecte, c'est tout. Donc, il pensait, comme il voit qu'il s'est dit dans la tête que peut-être il va clasher Flo et que du coup il va jouer il va faire le sauveur pour ta gueule. Quand moi des malades comme ça. Tout est bien défoulé aujourd'hui, tu passes à autre chose si tu veux. Ah, c'est clair. Hein. Absolument. C'est clair. Je suis pas dans la. Je ne suis pas dans la haine, cette haine de malade. Moi, je voulais dire un truc à la grande soeur. Moi, je lui ai dit que voilà, lorsque tu fais tes trucs de. Tu cites le nom, il ne faut pas. Moi, je préfère. Quand je suis même dans le direct de quelqu'un, je ne veux même pas qu'il cite mon nom. Même sur TikTok, là, quand il est dans le direct de quelqu'un, je n'aime même pas que quelqu'un parle de moi, en fait. Les gens pensent que parce que je suis blogueur, j'aime qu'on parle de moi. Je n'aime pas. Et puis, dans le direct de quelqu'un, s'il ne cite pas mon nom, tant mieux. Tu vas vous me voir là, haut du camion, putain, j'ai horreur de ça, j'aime pas. Barga Marie-Louise. Ah, Nikès Monté. Oui, Nikès Monté, ma soeur. Quand j'ai commencé Facebook, là, Nikès Monté était là. Mais comme maintenant, elle est mamie Bangala, est-ce qu'elle a mon temps? S'il y a des gens qui souhaitent parler, venez, vous prenez la parole. Il est tard quand même, je ne suis pas trop habitué à laisser dire les gens.
De quoi on ne monte pas ici pour insulter Flore, s'il te plaît. Je ne fais pas ce dire pour qu'on l'insulte. Ah, tu as même accouché. Ah, bravo. Je vais venir voir l'enfant. Il ne veut pas que quelqu'un monte ici pour insulter Flore. Je ne veux pas les histoires qu'on m'attribue que. Non, je ne veux pas. Et puis, ça va? Je suis là. Voilà ton perroquet là, il a Non. vu ta tête ici. Ton perroquet là, Ah. il veut y bavarder. Il n'accepte Non, pas. laisse. Je suis monté surtout pour Jackie Schengen, tu comprends? Et toi-même, tu comprends? Tu sais, moi, je suis quelqu'un. Je n'ai jamais, tu comprends, non? Je n'ai jamais hésité de te dire ce que je pense de toi. Tu comprends, non? Voilà. Nous sommes juste deux. Tu comprends, non? Voilà. Avons discuté, tu comprends? Donc, moi, j'ai appuyé d'abord sur Facebook. Moi, j'ai fait deux bonnes sorties, tu comprends, non? En fin d'année. Tu comprends, non? Sur ton combat. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit à Jacques Schengen, va me dire en fin d'année. Et moi, j'étais surpris que tu fasses une matinale, tu me prends pour Lolo que tu interdis de venir dans mes directs, tu comprends? Elle était dans le direct. J'ai dit à Lolo, du Cameroun, a fait deux bonnes sorties ces jours-ci. Elle a dit en bon. De toutes les façons, tu sais, comme dans vraiment des sujets, si je parle de toi, de rien. Et je n'ai jamais hésité de dire que tu as un potentiel, tu sais très bien. Rappelle-toi de nos causes. Je ne suis pas obligé de parler de ça ici. Concernant celui qui bat l'aile là, tu comprends? Celui qui bat l'aile là. Les gens ont décidé de changer en fin d'année. Moi, j'ai tenu des discours, tu comprends? Voilà. S'il y en a qui ne dorment pas la nuit, le jour, pour calculer les vies des gens. Je ne sais pas si je travaille dans les restaurants, voilà, en été pour être saisonnier. Je ne sais pas. Tu comprends? Lorsqu'on vit à 100 000 km, voilà, et que tu veux finir tes narines, OK, en France, sans connaître ni loi, OK, ni système de travail, ni. Oui, c'est comme ça. Bien fait pour lui. Comment, Tu comprends? si Bien j'ai fait dit pour lui. à femme, si tu es courageux, parce que moi, le problème, c'est que moi, j'avais dit que j'étais sûr. Hein. Il y a des gens qui les suivent plus sur Facebook, là, parce que leur blog, là, me saoule. Je te suis, même si, voilà, on ne s'entend pas. Tu as beaucoup, quelque chose de marrant que je suis. Mais ce gars est plein de haine. Moi, c'est un haineux, ce mec. Je l'ai vu aujourd'hui faire un truc. Comme il a vu. J'ai annoncé que j'allais parler à Flore. Il a commencé à appeler, à respecter Flore et tout ça. Il était mal à ta tête, mon frère. Flore, Non, je ne veux pas non, l'insulter. tu te campes sur le cri qui est, comment on appelle ça là, le message de Mafou. C'était chez Bertrand sur Saumon. Tu comprends? Voilà, tu sais que ma foi sur Macabo, ma foi dit continue ton travail. Tu vois le dénigrement, tu comprends? Voilà, il a capturé ça, fait sa publicité avec, hein, ça manipule les gens. Je vais t'expliquer. Oui, je vais t'expliquer. Je vois Nicole qui explique la route 157, publier ses enfants, hein, son mari et tout. Et donc, je fais un direct, je tape sec et j'interpelle Mapo que voilà, elle insulte en disant que ma Mapo chou, tu comprends? Voilà. Les gens, tu crois que les gens vont, hein, les gens vont se dire quoi? Il y en Non, a qui mais vont dire automatiquement. il te coupe pas, Non, c'est laisse-moi. Je OK, t'explique. Parce que quoi? Oui, vas-y, du Cameroun. je t'écoute. Donc, j'ai là. Et en plus, j'ai mis quoi? Mon tiercé de fin d'année. Trois photos, tu comprends? Donc, nous, on était, moi, j'étais dans le direct de Bertrand sur ce monde. Il me posait des questions. Donc, ma foi est venue là-bas, là. Et en plus, ma foi a dit à Bertrand sur ce monde que de comment m'avoir raison. Voilà, de comment m'avoir raison. Donc, le commentaire de Mafou, que continue ton travail, voilà, ça, hein?
Voilà, il publie ça pour manipuler les gens. C'est comme si ma femme avait dit qu'il faisait du bon boulot. Hein, tu comprends? Laisse. Je ne suis pas. Tu sais, du quand même, moi, je suis quelqu'un. Je n'ai pas les arrière-pensées, tu comprends? Voilà, je rigole là sur Facebook. Je suis un enfant mais, de quartier. Tu comprends? Regarde un peu un truc. J'ai demandé que. Nicole Kitcha, maintenant, elle croit avec Amen. Et sa patronne, compresseur, est avec Amen. C'est que moi, je ne comprends pas la sorcellerie. Avec, mais toi, Nicole. J'ai parlé de attends. Ça, non. Et Flo, moi, j'ai parlé de ça. J'ai dit, mais Flo a bien analysé la situation. Flo lui a dit, là, mais, honnêtement, moi, j'ai même félicité Flo dans son. Je ne sais pas pourquoi elle m'a même prononcé. C'est pourquoi j'ai fait l'erreur de parler même dans le live. J'ai dit, que tu as, j'ai dit, Flo, tu as bien fait. Parce que Nicole, son blog, là, on a l'impression que c'est Flo qui l'a encore. Flo a dit que jamais. Que te voilà que je suis Amen Kamen, c'est le frère des compresseurs. Et c'est vrai, hein? Tout ce que Flo lui a dit, compresseur ne peut jamais la valider, ça. Parce que compresseur, et tu sais pourquoi compresseur signe sur Amen Kamen? Parce que c'est que si Amen Kamen n'est pas là. Puisque compresseur a compris qu'elle ne peut pas compter sur Flo, sur le blog, parce qu'elles n'ont pas la même ligne. Mais Amen Kamen avale toute la pilule de compresseur. Tout ça, c'est le calcul qui est là. Et compresseur est très intelligent. Et c'est très bien que là où elle est là, son blog là, si Amen Kamen n'est pas là. Vu que toi et moi, nous menons le même combat, je suis derrière eux. Hein? Tu comprends que je suis derrière eux? Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Je suis derrière. Viens quelle histoire que, voilà, l'histoire d'agression, tu comprends, non? Je dis non. Je suis derrière eux. Tu comprends? Donc, je disais donc, du camel, c'est comme tu as bien dit, il y en a qui passent sur des pages, hein, avec des les idées derrière la nuque, tu comprends? Voilà. Moi, je ne discute pas. Je ne discute pas, tu comprends? Il faudrait déjà qu'il m'écrit comment on appelle, voilà. Ici, moi, c'est les saisonniers, je ne sais pas si j'ai quelle série. Voilà, pour aller faire les mandats. J'ai un métier recherché. Voilà, tu comprends notre du camel. Même là, tout de suite, s'il veut, il est là. Tu veux que je te montre mon CD, je te montre. Hein? Je t'ai dit, dans ce là, du monde du travail, ne me copiez pas. Si vous voyez de comment, ne regardez pas. Voilà. Tu comprends? Voilà, c'est comme la Coupe d'Afrique va commencer là. Vous allez voir de comment mon goût. Je n'ai pas allé chez Afin de trop parler, Afin, je te prends. Venus, là, c'est toi. Viens. Aujourd'hui, là, je suis Zikiri. Je te prends. C'est lui. Je te prends. Viens, tu es avec nous. Tu viens, tu parles. On est free. Anamazo, comme il te dit là. Anamazo, il est comme ça. Il ne va pas venir. Il peut venir. Il a les mines d'armes. C'est un manipulateur. Parce que quand il met le truc là, le commentaire de Mafo, vu que Mafo a toujours l'habitude à dire que lui, il continue à me salir. Tu comprends? Donc Mafo est venu, ça a dit avec lui que lui, de comment Mouba a raison. Parce que lui dit partout que c'est lui qui faisait la force de l'église. J'ai jamais vu que quand il répétait ce qui sortait de ma bouche, il a créé quoi? Non, disons-nous des vérités vivantes. Les gens qui suivent celui-là, c'est les gens de qui? Hein? N'est-ce pas, ce sont nos gens, disons-nous des vérités. Il dit que, bon, du camer, ouais. Il était dans Facebook depuis, il intervenait chez toi, il intervenait chez Andango. Mais c'est depuis quand tous ces talents ont commencé à prononcer son nom. On connaissait son nom. Non, mais. Non. Là, dis la vérité, là on va finir ça chez toi, tu comprends? Il était longtemps sur Facebook. Non. Mais avec le profil. Bon, oui. Tu sais, avec le poisson là, je vois souvent les directs où il intervenait. Avec le poisson, le reste. Oui. Il n'est pas connu. Je ne comprends pas du camer. J'ai dit, il intervenait sur toi, il intervenait chez Anango. N'est-ce pas? C'est toi qui l'as fabriqué. Les gens ont commencé à prononcer quel nom? C'est toi qui l'as fabriqué. Hein? Il est là. Attends. Afin venait chez moi, il parlait.
Il faisait, il débattait. Tu comprends? Je ne sais pas là où la haine, je sais pas là où la haine sur moi arrivait, en fait. Je ne veux pas comprendre, en fait. Parce que nous, on faisait des débats sur l'antenne passée le Congo, ça. On parlait de l'article du pays, on parlait de pas mal de choses. Et après. Je sais qu'il intervenait dans les directs, tu comprends? Et il y avait même aussi, comment on appelle le gars là? Et il y avait un gars, le gars qui s'habille aussi en costume là. Il est sur TikTok. Quand il y avait le. Peut-être qu'il était à Dubaï, le mec. Il aimait porter les costumes. Il est... Je connais, il est sur TikTok. Attends, il est sur TikTok. Du Cameroun. Du Cameroun. Du Cameroun. Mais tu sais, je ne sais pas ce qu'il cherche, tu comprends? Tu sais que bien, c'est quelqu'un, c'est la troisième fois que je vis, tu comprends, dans mon église, tu le sais très bien. Non, même comme il veut, il dit que tu as supporté Dangereux Black. Non. Tu vois, alors que toi, tu me prends compte que j'ai manqué de respect à Dangereux Black. Et là, tu vois. Ça, je dis donc alors que. Dangereux Black et lui sont alors des patates du même sillon. Mais lui, c'est encore plus grave parce que je n'avais pas vu les publications sur la page de Dangereux Black, mais lui, il avait publié les femmes, les stars Blackata. Tu comprends? C'est pour ça que les gens sont au noir, ils ont ces paroles mielleuses-là. Caché au noir, il a envoyé la demande, mais je le prends, le profil ne marche pas, comme il a mis le profil, viens avec notre profil. Non, comment il refuse de te prendre, mon frère, tu me connais, il peut refuser de te prendre. Moi qui me le choque là, je te prends et puis ça ne marche pas. Je ne peux jamais refuser de te prendre. Et te prends. Mais. Ça dit, Flo a d'abord mis Kimban parce qu'il y avait une discussion. Tu comprends? Voilà. Ouais. Flo a dit à Beta, c'est vrai ce que de Kama Mougou dit. Et après, elle a marqué, il y avait un commentaire là que continue, tu comprends, non? Ton travail. Tu comprends? C'est ouais. Comme si Flo disait que afin de continuer ton bon travail, tu vois comment il veut manipuler les gens. Ce n'était pas dans ton direct, hein. C'était chez Bertrand sur ce monde. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu crois que c'était dans son direct, non? Je vais vous dire quelque chose, gars. Franchement, moi, il n'ai pas de haine envers vous. Il n'ai pas de haine. Moi, je vous dis la vérité qui soit maîtrisée. Mais le pire, c'est les gens qui te prennent, qui se prennent pour tes amis. C'est les gens qui disent que tu es mon ami et qui me trahissent. Ça me fait très mal. Tu as vu? Moi, je te prends là, il n'y a pas de problème. Tu peux me clasher comme tu veux, il n'y a pas de problème. Je connais que tu me clashes. Mais la personne qui dit que tu es mon ami, ça m'a. Je fais des bons liens pour toi. Va regarder mes directs de fin d'année. Je dis, c'est ta matinale là, là où tu parles comme un framponné. Je dis, mais le type, si. Non. Parce que va voir mes directs de fin d'année. Hein? Tu verras dans mes directs et dis voilà, hein, là du Cameroun a repris le Saint-Esprit est descendu sur du Cameroun. Tu comprends? Ouais. Mais toi, hein, c'est comme tout à l'heure. Tu regardes tes comptes, tu mets toujours mon nom. Tu comprends? Tu mets toujours mon nom. C'est toi qui provoques. Hein? C'est pour ton direct de demain. Tu vas faire comment? Tu vas faire le live demain. Il faut que tu me mentionnes. Il faut que tu demain. Déjà, j'ai commencé à faire des directs. Tu comprends, non? Quand il dit qu'il faut que la toile change. Tu comprends? Parce que c'est comme vous dites. La femme vient à un autre profit. Il n'arrive pas à te prendre. Il n'arrive pas à prendre un autre profit. Tu viens avec. Il te manipule parfois même. Hein, il envoie et il enlève encore. Laisse. Dis-lui de venir avec le profil qui venait souvent chez toi. Je te mets là-bas, là derrière, propre, comme vous ne voulez pas comprendre. Hein, vous manquez de respect à vos parents. S'il arrive là, tu vas crier, on ne va pas entendre.
S'il arrive là, alors, il faut être Non, 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 je ne vais pas crier. Je vais écouter, on va l'écouter. Et il va me dire là où cette femme-là avait déjà prononcé son nom quand il intervenait chez Nango, chez toi. Voilà. Wow. Non, mais attends. Non, c'est comme la dernière fois qu'il dit la capitale du Paris, c'est les Parisiens. Tu es là-bas, là. Hein? Il n'y avait que moi. Les petits noms de mots que tu connais, c'est de comment Mouki disait ça dans les causeries. Hein? Et parfois, quand on voit expliquer en direct, hein, il prononce Abbe Greux, Abbe Versailles, ceci. Il venait pas ce soir, mais tu veux gâter mon direct. Il est là, il dit que saisonnier, saisonnier. J'ai dit que voilà qui est là. Voilà la femme qui est là. Est-ce que j'ai fait la récolte de cerises pour être saisonnier ou bien dans les cités pour être saisonnier? Je suis dans la. C'est la femme là, vous voyez la femme partout. Tu mets dans le schéma comment? Comment tu mets dans le schéma? Ta mère, j'étais avec toi au début. Et ce monsieur, ce point, je mets mes commentaires, toi tu dis que c'est la femme. Vous voyez la femme partout? Laisse ça. Laisse. D'abord, tu es d'abord. On se connaît, tu peux me pointer du doigt. On s'en fiche, comme on est aussi comme ça. Saisonnier, tais-toi, on se connaît. On se connaît, tais-toi. À chaque fois. Laisse. Je ne veux pas répondre en 2020. C'est un gros ivrogne en plus. Sale. Oui. Ta mère, je suis avec toi. Ouais. Traite-les. Au revoir. Comment ça? Il y a des balades. Wow. Je suis bon. Facebook. J'ai fait des directs en fin d'année. Voilà. J'ai mis mon tiercé, tu comprends, non? Voilà. Mmh. J'ai dit, nous, ceux qui veulent avancer, tu comprends, non? Nous, on va les soulever. OK? Et que chacune respecte le couloir de l'autre. Ça peut se framponner, ça peut se hot, mais sans framponner la nyama de l'autre. Voilà. Et tu comprends un peu? Disons-nous des vérités. De toutes les façons, comme j'ai dit, hein, c'est grâce à elle, nous aussi, on nous suit. Hein. Est-ce que tu comprends un peu? On profite aussi de nos soeurs. Pendant que tu dis on parle de nos soeurs, mais tu framponnes la rose pour sa nourriture. Rose. Mais tu prends pas la rose. La rose du 237. Toi, tu es en retard. Tu comprends? La rose, c'est la grande. Elle a même fait un direct à De Koma Mougoum, apparemment. Tu comprends? Est-ce que moi, je suis quelqu'un, je te framponne, tu comprends? Non. Tu ne vois pas que. Même ma fou, même que je suis venu avec son nom. Parfois, quand je suis dans les directs, elle rigole de comment mon nom. Tu sais comment il était découvert? Non. Il était découvert sur une vidéo. Tu dansais devant la maison là. Et puis j'ai partagé ça. Quand il te découvre, hein, il te découvre seul. Il te découvre pas dans les clashs. Il te découvre dans une vidéo. Tu es quand tu danses. C'est la vidéo là. C'est les vidéos de 2017. Mmh.
Oui, parce que moi, je suis venu sur Facebook fin d'année 2017. Tu vois? Mais je n'étais pas encore visible. Hein. J'avais les Thérèse Tamale. Voilà. Les Thérèse Tamale, c'est les premiers, mes premiers followers. J'avais encore 10 personnes. comment ça s'appelle? Naomi, la fille d'Italie, elle va dormir ce soir. Ouais, mais je parle d'elle depuis l'histoire de son père, Messam. Tu comprends? Mais je parle d'elle. Elle est entre le matin et l'enclume. Tu n'as pas vu, il y a un de ses dîners. Hein? Elle a failli pleurer. Que vous voulez gâter mon blog. Hein? Les autres disent une place, maman Pépé. Hein? Les autres disent une place, mais Jean de Lille, ça traumatise. Hein? Tu vas faire comment? La dose que Flo lui a donnée ce soir-là, c'est une dose. Non, tu sais. Flo lui a donné une dose, je dis non. Voilà, Flo, ce que j'ai repris souvent à Flo, parfois, elle sort, elle fait une bonne sortie. Est-ce que tu sais que si tout le monde suivait Flo, quand la mère amenait les votes de sa mère, tu te souviens? Hein? Ouais. Tu te souviens? Est-ce que tu sais que Sako et son équipe ont conclu ça? Avaient conclu ça? Non, mais rappelle-toi, c'est Flor de Lille qui sort avec les forces de la mer hein, de l'Italie, tu comprends? Voilà. Et là, Mandiata récupère, là, quand on fait venir sa mère, tu comprends, non? Si tout le monde suivait Flore, que ce soit Mandiata, que bon voilà, arrête de faire ceci, arrête de faire cela, concentre-toi, on ne sait pas. Là maintenant, peut-être qu'elle a les papiers. Pourquoi elle ne fait pas des petites directes, hein, direction pour l'emploi, pour l'emploi de là-bas, là, ainsi de suite. Mais attendez, elle est en Italie. Moi, j'ai un groupe là, il y a une fille qui est en Italie, là, c'est pareil. C'est pas forcément la même chose. Nicole était ici. Nicole était à Paris pour... J'enlevais un petit là-bas en Italie. Il travaillait tout le mois. Il avait 450 euros. Quand j'ai ramené ici, il fallait quoi? Il fallait qu'il perde le visa là-bas là, pour venir ici. Quand il est arrivé ici, sa première fois de work, 1100 euros. Mais mon ami, le gars... Un jour, j'étais en mission à Bordeaux. Il m'appelle tonton Coucou. Oui, j'ai eu ma première paye. Le gars était content. Il dit, oui, c'est quoi? Il me dit 1100 euros. J'ai dit, j'ai rigolé. Tu vois, D'accord, je vais te poser une question. Oui. Parce que je te pose une question. Tu sais que tu es le concepteur des PTT. Oui. Tu es le conseiller de PTT. Comment tu peux venir encourager Amer Kamer dans son chômage là, toi, un PTT, tu le valorises? Non, franchement. Non. Pas vraiment les tester. Quand tu vois Amer Kamer, attends, je pose ma question. Attends, je pose ma question. Oui. Quand tu viens valoriser Amer Kamer, tu fais ça dans le aide-moi les tester. Tu sais très bien qu'il est lâché la gala, il mange le reste des nourritures. Toi, tu es quelqu'un qui, on sait que. Non. Quelquefois, c'est bien fait de quand vous êtes un travailleur. Comment un travailleur, tu peux encourager la sécurité? Tu m'as posé la question, pourquoi? Hein? Est-ce que tu sais que je frappe la mec à mes ces jours-ci? Non, était parce que tu l'as félicité qu'il mène une bonne vie. Tu as les cas? Non, pas une bonne vie. C'est de ménage, tu comprends, non? C'est de ménage. Bon. Je parle de ce que je vois. Nous parlons des scènes de ménage. Tu peux t'inspirer d'une scène de ménage d'une femme qui ne travaille pas et l'homme ne travaille pas. Tu peux t'inspirer de ça? Non, je n'ai pas dit. Non. Quand je parle de scènes de ménage, tu comprends? Je ne veux pas parler, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils gagnent leur vie hein? Dans les réseaux, non. Même comme, voilà, je ne sais que les revenus des réseaux sociaux-là ne sont pas fiables. Pourquoi tu acceptes le flou? Bonne année, la douce.
Pourquoi tu acceptes le faux alors? Un mec quand même te fait comprendre qu'il gagne 10 000 euros. Tu sais que c'est faux. Parce que, laisse-moi. À un moment, tu peux te dire que mais, tu es un menteur. Un mec quand même, c'est un menteur. Non. Du camé. Quoi que tu ailles à Franck, camé, hein? Parce que toi, c'est ta personne. Parfois, tu commences, après, tu baisses les armes. J'ai dit que bien. Quand je parle de scène de ménage, tu comprends, là? Je dis, bon, il y a des couples qui ont peut-être des problèmes à la maison, tu comprends? En voyant quand même ma mère, quand même, hors de classe, en livrant les histoires à Jean, le petit truc, voilà, moi, je me fais ça pour ça, je dis, les scènes de ménage. Mais c'est une scène de ménage des deux chômeurs, toi aussi. Tu es un travailleur. Toi, tu es un travailleur, tu ne peux pas supporter. En fait, moi, je me dis que s'ils travaillaient, si les deux-là travaillaient, franchement, moi, je devais encourager le couple là. Si les non, deux... mais il pose la question. Si c'est nous qui leur donnons à manger, tu comprends, non? Hein, du camel, tu ne vois pas ça? Je ne sais pas pourquoi, aussi, quand c'est une fille intelligente, elle ne travaille pas. Je ne sais pas. C'est pour elle travailler. Mais c'est pour elle work. Regarde. Ouais. Si tu te mappes hein, de ouais. leur coup, du travail, hein? Ouais. Tu ne vois pas qu'ils peuvent aussi nous poser des questions si c'est nous qui leur donnons à manger. Mais franchement, tu peux t'inspirer d'un mec quand même pour faire ton couple. De comme. Tu peux t'inspirer d'un mec quand même pour faire ton couple. Je ne peux pas. Mais si. Un mec quand même, avant ne niaise pas. Il faut laisser les trucs de 53 cm. Là. Il a un problème d'éjaculation précoce. C'est vrai qu'il y a niaise. Une gabéti m'a dit qu'un mec quand même niaise pendant 2 minutes. Et il se fatigue. 2 minutes. Ouais. Attends, si tu veux, j'appelle Angabeti là. Je l'appelle. Il dit que Amek Amenias, moi, va te dire. Je l'appelle sur le téléphone. Attends. Et tu ne vois pas qu'il peut aussi dire que voilà, c'est une gars qui a son macabre. Hein? Tu connais que les filles Betty ne sont pas les menteuses. La fille qui baisait Amek Amen, c'est ma pote. Attends, une fille qui a été déçue, comment tu dis qu'elle ne peut pas venir mentir? Non, c'est pas une fille qui a dit dessus, c'est une fille qui a barré, qui l'a barré. Parce que un gars qui l'a barré. Mais si ça a barré, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Oui, elle a le macabre d'Amek Amen. Elle est capable de venir dire que il n'a même pas 53 centimètres. Mais de quoi, Mungo? Toi, tu crois le truc de 50? Toi, tu as combien de centimètres? Non, mais attends. Tu sais, Jikamé, ouais. C'est ça que je suis quelqu'un de chantier, non? Hein? Ouais. Quand j'ai le mec dans ma poche, non? Je connais 53 centimètres, non? Voilà. Mais moi, je vois le pantalon n'est pas bombé devant. Je ne vois pas le pantalon. Parce que les 53 centimètres, normalement, ça peut arriver. Quand tu vois Inga avec les poils comme aussi, toi tu peux manger l'entente là. Non, elle est propre. Pour ça, regarde, hein. Ce n'est pas... Non. Tu peux tuer une tente avec les poils. Regarde. Déjà, Oshiga, elle est comme un serpent, comme la peau du serpent. Elle ne transpire pas. Parce que si elle transpirait, tu comprends, non, elle allait raser ça. Elle ne transpire pas. Et elle entretient, tu comprends, non. Est-ce que c'est la seule qui gardait les poils? Va au pays, tu vas voir des gars avec encore leurs poils. Parce que c'est, nos sœurs viennent ici, elles rasent leurs petits charmes dans les poils là. Mais, hein? Parce que tu aimes les poils ou sans poils? Non, c'est pas ça. Le truc, c'est que quoi? Il y a des gens qui ne peuvent normalement, tu comprends, non? Qui ne devaient pas garder les poils. Oshiga, elle a la peau du serpent. Hein? Elle ne transpire pas. Tu penses qu'elle peut prendre un bon bangala et rester tranquille? Ouais, que, du camé, tu adores les cris. Ouais, que, hein? Monsieur les deux, mon frère. Qu'est-ce que j'en pense de 2024? Qu'est-ce que, voilà, ta. Hein? Mais tes ministres et jaloux là, est sur toi. Qui ça? Tes ministres et jaloux là, il est sur toi. Laisse, c'est comme ça, les vieux pots là, quand ça y a un mot de commande, c'est toujours comme ça. Après, il va venir avec un autre profil à Nibox.
Mais comme je ne les reçois pas en e-box, hein, je ne les reçois pas, elles vont faire comment? Mais, de comme donc, non, vraiment... Non, j'ai pas, non. La pointeur du dos, je n'ai pas dit le concret. Tu comprends? Je n'ai pas dit le concret, tu comprends? Par exemple, moi, regarde quand on a voulu me salir là-bas, là, chez Isaacam. Quand on a dit, Lily de la Tour dit que Marie, hein, il pue, non. Qu'est-ce que Marie a dit? Elle avait dit non, n'allez pas si loin. Non, il ne pue pas. Hein? Marie, moi, je suis un bête, regarde, je suis un bête. Est-ce que vous comprenez? Il dit un parfum, j'utilise un parfum, 3 ans, il dit un parfum. Moi, le jet douche, mais oui, est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis un bête. Est-ce que vous comprenez un peu? J'ai pas trop besoin de ces odeurs, voilà, chimie-là. Hein? Oshiga, quand tu vois Oshiga, tu comprends, je te mens pas. Je sais que bien la panthère du jour, tout être humain transpire, mais... Nous, quand on est fâché, c'est et, mon et, gars. Du Kamer a été le premier à être amoureux de Oshiga. N'oublie pas ça. Ça. Moi, je suis là. Laisse ça. Il va appeler. Attends, il appelle celle de l'Allemagne. Il faut qu'il appelle celle de l'Allemagne. Il dit du Kamer. Du Kamer. On t'a fait quoi? Nous t'avons fait quoi? En un mois, tu nous as annoncé Twanga. Pose-moi les vraies questions. Pose-moi les questions. Pourquoi c'est de la Belgique, c'est de l'Angleterre, c'est qui ne va pas te répondre? Pose-moi les questions. Je suis là. Je veux te répondre. Non, on ne commence pas à de la Belgique. Voilà, c'est de la Belgique. Elle est passée dans le direct de la mère Kamelo toujours. Et que? Elle est passée, il a pris. Il pensait qu'il allait me faire du mal. Pourquoi Ahmed Kamel finit toujours par te ravir la vedette? Non, essaie un peu de me dire. C'est de la Belgique, il avait dragué ça avant. Et, il a voulu partir là-bas. Ça n'a pas marché. J'étais avec elle, mais c'est une fille qui travaille énormément. Donc, franchement, la relation ne pouvait pas prospérer parce qu'elle travaille trop. Qui avait deux voitures et deux maisons. Voilà, ça là. C'est une fille bien. Mais ce qu'elle a fait l'autre jour, c'est passer dans le direct de la mère quand même pour parler de ma relation avec elle. Et moi, je lui ai dit que... Je suis parlé IB, je lui ai dit en public, c'est passé la suite, que ce que tu allais faire là, quand je vais répliquer sur toi, on ne va pas te dire. Parce que si tu as une histoire, c'est passé, tu l'as gardé ça pour toi. Comment est-ce que lui, Ahmed Kamel, déjà avait Oshiga? C'est une fille de TikTok, qui est connue sur TikTok. Donc, Ahmed Kamel, okay. Il était Yago la draguée et tout ça. Donc maintenant, il a voulu me faire du mal. Il est parti traîner la fille dans son life. Il dit que c'est ton problème là-bas. Moi, je suis en Allemagne, mon frère. Je suis plus en Belgique. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Non, avant d'arriver en Allemagne, c'est d'abord l'Angleterre. Ok. L'Angleterre. L'Angleterre, c'est une très bonne nana. Mais c'est une fille qui est trop. Tu sais, il y a une catégorie de filles trop attachées au travail et à leurs affaires, tu vois. C'est pas un gars qui peut facilement vivre une relation d'amour parce que la femme camerounaise est très ambitieuse, tu vois. Elle est dans les histoires. Je veux faire ma maison au pays, je veux faire mes business. Et maintenant, est-ce qu'elle va te. Si tu n'es pas quelqu'un qui est réellement assis, tu vois, que tu as le dos, est-ce qu'elle va te consacrer du temps? Pas forcément. C'est un peu ça. Et moi, je n'ai pas voulu perdre du temps. Maintenant, celle qui est en Allemagne, je l'ai connue ici, à un événement. Celle qui a amené le 9 et celle de l'Allemagne. Parce qu'on va par un homme. Non, mais toi. C'est du neuf. Je suis allé au chalet. Je l'ai connu au chalet. J'étais avec des amis à Ebris. Je l'ai connu là-bas. Le lendemain, il y a eu l'événement de Flore. On est parti. On a commencé à discuter. Et arrivé à l'événement de Flore, les gens commençaient à la filmer. Elle ne savait pas que j'étais. Elle connaissait pas ma vie de Facebook. Elle ne me connaît pas. Donc, elle arrive là-bas. Elle découvre que tout le monde se filme avec moi. Les gens me prennent en photo et qu'on la filme à elle, c'était insupportable pour elle. Elle m'a dit, mais bébé, je ne peux pas, je t'aime bien, mais ça, ce genre de vie-là ne m'intéresse pas. Kamel, dis-moi un peu, une femme que tu avais connue à la veille, la façon que tu avais pleuré quand elle était venue par l'oreille, c'est comme si c'était ta femme. Mais comme à Mongo, la fille a été trop belle. C'est une nana qui était canon.
Je l'ai embrassée, j'ai marié ses lèvres, j'ai marié son cou. C'était une fille qui me plaisait beaucoup. Mais quand j'arrive, les gens commencent à la filmer en direct. Les gens viennent lui dire que qu'est-ce que tu fais avec le blogueur là? Les gens sont venus lui parler. La fille a été étouffée à la soirée des fleurs. J'ai perdu cette fille. Mais elle me plaisait tellement. C'était une Camerounaise togolaise. C'était trop bien. Moi, je la kiffais. Et là, après, je n'ai pas voulu la rappeler, tout ça. Donc, je m'en bats les couilles. Okay. On continue en espérant que tu vas nous manquer un jour. Donc, non, là, j'ai une très belle femme, une fille Chang, qui est en Allemagne. Ça se passe très bien. Je vais aller en Allemagne maintenant. Juste nous deux semaines. Passer du temps avec elle. Fiscaline. Hein? Fiscaline. Mais franchement, quand tu regardes la saleté, là, tu me mets là. Tu sais, c'est qui? Non, Fiscaline est parti pleurer en Côte d'Ivoire. Hein. Tu n'as pas eu ça. Là, c'est une... Il faut qu'elle fasse un peu du sport. Voilà, c'est 17 ventres qu'elle a, mon frère. Pardon. Qui va le laisser? Il faut... Elle peut m'insulter, mon frère. Elle est qui? On allait parler ici quand on disait qu'au Kalga, Bon, donc c'est celle de l'Allemagne, peut-être qu'on verra oui, un jour. Toi aussi, tu vas nous faire des scènes de ménage. Priscaline, elle avait un même buveur de matango là-bas en Allemagne, quand elle le ventre comme ça. Apparemment, soit elle a envie de tomber enceinte, c'est le mariage, je ne sais pas. Depuis que le gars. Le gars chez l'enfant, il a seulement les grenouilles dans le ventre de Priscaline. La grenouille, mon frère. Je te dis que l'homme, c'est celle de l'Allemagne que voilà, peut-être un jour on va dire. Celle de l'Allemagne, on s'est connu ici à Paris, ça va. Je devais être en Belgique le week-end pas dernier. C'est l'amour à distance. Non, c'est ma femme, je vais aller chez elle. Janvier, là, je vais chez elle, je vais passer deux semaines. Après, il va venir à Paris, on va voir. Non, il va quand même falloir que qu'une personne, voilà, hein, se décide. Non, vous allez vivre, c'est quoi? Amour à distance? Non, Manga en Belgique, elle est en Belgique. Ici, elle peut venir tout le temps. C'est pas celle de l'Allemagne? Je te parle de celle de l'Allemagne. Parce que tu dis Tanga en Belgique. Non, non, non. On dit qu'on devait se voir en Belgique. C'est de la Belgique, c'est bon. C'est la Belgique, c'est bon. Je sens que le moutier là te tape déjà. Pourquoi? Hein? Je sens que le moutier là, Dagobert. Non, c'est que moi, je dors très tôt souvent. Tu vois, je dors pas tard. Parce que là, il devait même sortir, il devait aller en boîte, mais je ne supporte pas les boîtes. Peut-être le matin, il va à la lafter. Parce que je préfère sortir un jour. Tu iras à Dubaï dimanche, non? Non, moi, je travaille lundi. Hein. Je travaille lundi. Moi, je suis saisonnier. Je suis saisonnier. Saisonnier. Ton perroquet copie tes méthodes de clash. Il utilise la même chose. Voilà. Il arrête de copier. Mais l'original, comment on appelle ça là? Le faux ne peut jamais. L'expression là, c'est quoi? L'ivoirien avait dit quoi? Hein? Parce que je te coupe pas. Non, mais. Je te coupe pas. Je vais dire aux gens que je n'ai pas prévu de clasher Flore ce soir. Je voulais lui dire tout simplement qu'elle me respecte. Voilà. Donc, Alain, c'est ça qu'on voulait. Je voulais dire que Flore, parce que Flore, elle a une habitude d'allumer le direct. Elle parle de n'importe quoi. Moi, il n'y a certain pas ça. Donc, je tenais à lui dire qu'elle me respecte et que voilà. Moi, je mange le respect parce que je la respecte, elle me respecte. Je voulais lui dire ça ce soir. Et c'est pas. Moi, Flore, c'est ma personne. On ne clashe pas les amis. Tout ça, c'est impossible. Mais du coup, elle a l'obligation de me respecter. Voilà. Elle a lu ton commentaire, apparemment. Elle a vu mon J'ai vu ça là chez Beckham. Quel commentaire? Ton commentaire, non? Quel commentaire? Lequel? Ça sort d'où le commentaire? Je ne sais pas. C'est chez Beckham. J'ai suivi. On disait que toi. Elle a mal lu ton commentaire. Mais que quoi? Qu'est-ce que le commentaire disait? Je
Je sais pas. Mais si vous commentez, c'est n'importe quoi. Gars, moi, je suis pas fou, hein. Flore, moi, je l'aime beaucoup, mais je lui permets pas de... À chaque fois, elle me manque de respect, tu vois. Ça c'est... Quand on aime les gens, on les aime vraiment. Moi, je suis... Les trucs de... Elle peut faire ça à tous ces deux filles-là, mais moi, non. Voilà. Mais le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que quoi? Du camel. Ouais. Je comprends. Parfois, il est sorti quand même. Même quand je framponne, que ce soit les Isaacam, que ce soit, voilà, tu comprends, en te pointant du doigt que toi, tu es là, tu supportes. Par exemple, moi, je suis surpris depuis un moment, tu dis que Mangdiata, c'est ta personne, et ainsi de suite. Tu dis, mais, je reviens m'avec les remember, hein, quand tu elle était que, à l'hôpital. Tu sais que, de, comme, comment quelqu'un. Il y a ma nouvelle, comment quelqu'un il y a ma nouvelle gars qui ne veut plus qu'il fasse le compresseur. Elle est dans les commentaires. Si tu libères les commentaires, tu vois, Manga ne veut plus qu'il fasse le compresseur. Non, mais tu as déjà tout dit, non. Tu as donné le nom. Tu as donné le nom. Si elle laisse compresseur, c'est Manga. Elle est là-bas dans les commentaires. J'ai donné Mandiata qui tourne quand même parce que. Les gens, même les veuves joyeuses utilisent les mandiatas. Ouais, c'est ça. C'est pas Michelin pour moi. Non, mais toi, tu mets souvent tellement au cœur que tu comprends, non. Mais toi, tu es toujours oublié. C'est ça. Non, mais quand tu vois la matinale, est-ce que c'est la blague? La matinale ne blague pas? La matinale, c'est de comme essaie de dire un dernier moment, il arrête le divers. L'alcool, c'est ma fatigue. Il n'a même pas trop bu rien. Il juste bu un moi, c'est comme moi, je suis ici. Véronica Max. Voilà, mais j'ai rien que tu dragues. Il y a que tu dragues Véronica Max. Tu veux la mettre? Non. Du camel, je ne le drague pas, moi. Elle est bon. Regarde. Du camer. Que allez, beaucoup de femmes mariées. Voilà. Non, je ne peux pas dire. Il y a des comptes que tu vas donner ce soir. Non, la pulvérisé, putain. Non, c'est ce soir, elle va faire des cauchemars parce qu'elle est depuis un moment d'offre. Mais ce soir, elle va faire des coups de bas. Oui. Nico, ouais. tu vas confirmer que être tida, c'est un problème. Voilà. Être tida, c'est un problème. Flotte. J'avais toujours analysé, voilà, les deux. Tu comprends? La lionne et. Tu comprends? Tout c'était quoi? La lionne. Tu comprends? Ouais. L'autre était compresseur. Et quand la lionne a eu des problèmes avec ses complices abeilles, là, tu comprends? Pour narguer la lionne, ils sont allés vers Nicole. Tu comprends? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nicole, qui était comme ça, là, avec la lionne, tu comprends, non? Voilà. Maintenant alors, quand il y a eu séparation, quand la lionne partait dans le blog de Nicole, elle montait, même si elle parlait bien, mais mon ami, les abeilles la framponnaient et ont demandé à Nicole de la descendre. Et Nicole ne disait rien. Nicole ne disait, tu connais la chef de bout de là où elle est attachée. Donc j'analysais, mais vu que j'ai géré le problème là à l'église, donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la lionne monter chez Nicole deux fois. On framponne la lionne. Merde! Nicole ne dit rien. C'est là où il avait dit. Et qu'est-ce qui se passe donc? Les abeilles sont allées lancer un direct. Tu comprends, non? Là où ça fait la lionne. Et même le profil avait dit ceci. Hein? Je voulais d'abord aller voir Mafo. Hein? Mais si elle partait voir Mafou, elle allait me demander de laisser. Elle a lancé le direct.
toutes les abeilles étaient là-bas. Là. Bon, bon, on finissait avec la lionne. Et après, maintenant, ma pour elle me met donc à l'arrivée, la patronne, elle est arrivée. C'était une réunion de sages. J'étais là-bas là. Après, vous y avez ma pour qui dit que vous voyez, non, je vous avais bien dit, oh, hein, partagez la lionne. Oh, je vous avais dit, les enfants là, quand on les fabrique, Mikalga. Et c'était là. On avait lâché la lionne. Dès que ma femme parlait, là où on avait aimé. Vous êtes l'école avait. La lionne, comme elle copie sur moi, elle avait commencé à dire à Flo ce qu'elle pense ce soir. Je suis sûr que tu vas la voir demain en direct, fais la même chose. La lionne a frappé la dernière fois, non? La lionne. La magie. J'ai regardé l'Angala. Elle m'appelle comme si c'était son caleçon. Il était mal dans ta tête. Tu appelles qui comme ton caleçon? Tu connais un gars comme mon frère, un lion. Là, elle est partie Boza ou un. Je te jure. Regarde comme mon frère. Qui est parti Boza? Ouais. Qui est parti Boza? Non. Elle dit que la lion. Elle va partir de quel côté, non, c'est chaud. Je dis que c'est la magie. Non, mais tu sais, le discours là, tu comprends, non? Peut-être que voilà, chacune va prendre des minutes de silence, pas une minute. Réfléchis, dis. Comme, tu sais que ton perroquet, comme il nous voit nous deux là, il va se suicider cette nuit. Bon, regarde. Tu vois, la dernière fois, quand tu m'invites dans l'hôtel pour donner mon avis sur le problème, voilà, la baisse et son père. Tu comprends? Est-ce qu'on fait des pouces comme ça, là, frère? Il se fait manipuler par du camer. Hein? Je pas chez Bécard sur ce monde. Vous voyez, il se fait manipuler par Bécard sur ce monde. Il me fait les pouces. Il a tout. Il a combien de gens qui regardent ses pouces? Il fait les pouces pendant 3 jours. Il y a 2 likes. Je te dis que c'est quoi? Le coup, c'est que quoi? Je n'aime pas la manipulation, tu comprends? Mm-hmm. Je n'aime pas la manipulation parce que, de un, je vais t'expliquer. Ouais. Je ne manipule pas. C'est moi, je suis allé récupérer Dangelo Black, tu comprends? Voilà. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, tu comprends, non? Mm-hmm. Il m'a lâché, il est parti avec Dangelo Black. Ils fonctionnaient ensemble. Tu comprends, non? Mmh. Voilà. Je ne suis pas avec eux. Tu comprends? Normalement, comme il dit qu'il avait ressenti que, voilà, c'est un mauvais grain, n'est-ce pas? Est-ce que lui, il m'avait dit que, pastou, il sentit que l'homme dit, tu comprends, non? Il est mauvais. Non. J'ai dit, la femme voulait faire le coup d'état à l'église ici depuis. Parce que quand tu vois ça là, hein? Moi, je suis venu avec le nom d'un gros poisson, Floreville. Hein? Tu dis que mon enfant, suis mon regard, prends un gros poisson, focalise la tête de tes abonnés. Hein? Regarde, Ducamel, est-ce que tu sais qu'à moins du Ducamel, j'ai eu 1200 abonnés avec une vidéo? Une vidéo. Cool. Regarde, attends, c'est pas que ça, non? Attends, je te montre. Ce n'est pas le Congo ça et je frappe toujours les coups. C'est, tu connais l'histoire de Ngassama, non? Ouais. Ngassama. Ouais. Tu vois Ngassama? Voilà. Ouais. Ça veut dire, j'avais déjà publié la vidéo là depuis 2017, tu comprends? Mm. Ça ne marchait pas. Parfois, ça arrivait à 1000 vues, tu comprends? Parfois, ça n'arrivait pas à 500. Attends, je te montre ça. Je te jure. Regarde la vidéo aussi.
c'est grave. Tu te rappelles, on s'était croisé au Sanzé pour la première fois. Ça fait le buzz partout. Tu sais combien c'est? Hein? Le coup, c'est déjà, je ne sais pas si ça pue.